Nous sommes dans la fête. Vous avez vu comment le Seigneur a agi le mercredi. Nous étions tous bénis. Quand j'avais prêché sur qu'est-ce que le Saint-Esprit? Tango na tiagi likona molimo santo azalinani. Oh, je dis Seigneur, est-ce que demain nous serons encore bénis? Alabaki onkolo, est-ce que l'obito kopamo mazusu? Et le jeudi, c'était hier. Nous étions vraiment bénis. Bongo mokonamine ilobi loleki. Amen. Amen. J'ai dit, oh là là, Dieu nous aime beaucoup. Alobia solo, nzambe, alingibiso mingi. Baruti tabernacle. Baruti tabernacle. Dites à haute voix, Dieu nous aime. 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 Acclamé très fort. Et Tamaboko Makasi. Mon fils Bob m'avait dit que hier c'était plus qu'avant-hier. Moi, Nangaï Bob, alors qui était le bel qui. Oh, j'ai dit, oh non, moi je ne sais pas. Abime, ngai na ebite. Et j'ai posé la question à Frère Ndembo qui dira oui, en tout cas, le premier jour était plus que le deuxième. Natuni motuna Ndembo, abina ngai me mokola liboso, elekaki mokola mibali. Et vous, je vous pose la question. Bino natuni mino motuna. Et ce qui s'est passé hier, et ce qui s'était passé le mercredi, dites-moi là où le Seigneur était plus puissant. Tous les deux, tous les deux. Un Bob, vous voyez que là il y a une guerre, hein? Et tous mes alliés. Tous les deux, ils connaissent mes balais. Aujourd'hui, Léo, 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 Joe, Léo, Léo.
à nous. Léo, les Londé. Je veux que le Seigneur dépasse les deux jours. Na ligni kolo ale kamikomi balo aliboso. De puissance, ale kananguya. D'onction, ale kanepakwami. De présence, ale kanabosali. Le pasteur Gauthier, que Dieu te bénisse. Gauthier, Nzambe apambola yo. Je t'avais suivi, moi, dans mon bureau quand tu priais. Merci, merci d'être venu. Amen. Levez-vous, s'il vous plaît. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans le livre des Actes des Apôtres. Le verset, le chapitre 2. Aujourd'hui, j'ai été avec le frère Emery. Lelo nazaki nande kombali Emery Kulemfuka. Kulemfuka. Ce frère ne me connaissait pas. Nde kombali Emery Kulemfuka ayeba kingaite. Non. Té. Mais il était venu chez moi. Il a vu que j'étais en train de construire. De construire, je crois. Il avait, c'est l'un de ses constructeurs, ingénieurs, qui avait dit que Passé Barouti était en train de construire. Alekagi, epa inangaiwana, moko na ingénieur batonge la kaye babi, lopangoyo, ezali amokenge Barouti, yende mutanzo tonga awo. Alors il a dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Abi, mais eloko ni nakoyi kosa elai. Toutes les dalles que vous voyez jusqu'au fond là, c'est lui. Même dehors, dans la rue, c'est lui. Ça lui a coûté combien? Non, plus que ça. $21,000. Abimisi, $21,000. Pour une personne qui n'est même pas son pasteur. On ne sait jamais saluer, je ne connais pas. Totikalaka kopé sanambote bo ilibosote. C'était d'abord, il a sorti $17,000. Son ingénieur a dit, ce n'est pas fini. À l'extérieur, on peut aussi mettre. Ingénieur, on est à l'extérieur. Et s'il n'a pas noté, il sort comme ça $4,000, ça fait $21,000. Et moi, je ne le connaissais pas. Et le diable l'a frappé. Si Mazabolo a eu comme taille. D'un AVC sévère. Na AVC Oyama Kassuan. Il ne parlait pas. Azaki Kolobali Souté. Il ne mangeait pas. Azaki Koliate. Il était couché. Azaki Akola. On attendait que sa mort. Azaki Kozelaka Liwanaï. Quand on va parler de ça, j'ai dit. Tango, Babete Lingalison et Nabite. Le diable s'est trompé de personne. Zabolo, Abosani adresse. J'ai couru pour aller là où il était à l'hôpital, dans le soin intensif. Na potimba nguna kei kuna na l'hôpital obisika zaki na ba soin intensif. Et j'ai prié pour lui. La bonne liponaï. Il m'a dit aujourd'hui, puisqu'on a mangé ensemble avec lui, il est bien. Lelo lobelingai poto lié, nzela moko na epe aza malamu. Et il m'a dit, c'est ce jour-là seulement que j'avais mangé. Alobi kaka mokola no bonengi pona ngai nde na liaki. Et je commençais à reconnaître. Alléluia. Aujourd'hui j'ai mangé avec lui. Lelo na lié et l'omonaï. Tu étais là avec moi. J'ai parlé avec lui. Na solo lina. Il a pris la nourriture lui-même. Azubile yemoko. Et il revenait. Il est devenu normal. Akomi malamu. Complètement guéri. Abiki sami na mobima. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Et t'es la colo Jésus-Christ ma boko. Comme ça. Mobali na bongo. Vous voulez l'enlever, vous m'enlevez pour mettre qui? Yo olingi kolongola ye. O kolongola ngai po yo chanani. Si vous ne croyez pas ce que je suis, restez calme. Soki yona no monyo ngai na salite fandanye.
Laissez ceux qui croient en moi continuer à croire en moi. Tika bawe bazali kondimelangai bako ba kondimelangai. Jean Baptiste, Yohane mon Baptiste. Que dis-tu de toi-même? Pona yomo. Vous pouvez me juger vous avec un si grand ministère. Yo koki kosambi sangai tena mosala monene o nzamba pesingai. Vous me laissez moi-même me dire qui je suis. Tikangai moko na loba nani ngai na sali. Billy Paul a dit, Billy Paul a loba l'esprit qui était dans mon père. Molimo ezalaki kata tata. L'ange m'a dit, moi à l'obin ça se trouve en toi. Ezali na kati na yo. J'avais mis la main sur la Bible. Na tiaki loboko na ngai kona Bible. Je voulais demeurer humble. Nalingi nazala na komiki tisa. Je le ferai toujours. Je ne changerai pas. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est votre droit. C'est votre droit. Laissez ceux qui croient ce que je suis croire à cela. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous serons bénis. Les lots ont dites aujourd'hui, nous serons bénis. Aujourd'hui, nous serons bénis. Aujourd'hui, nous serons bénis. Aujourd'hui, nous serons bénis. Aujourd'hui, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit. Descendra ici. Descendra ici. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Va oindre les gens ici. Va oindre les gens ici. Nasuka boyete, boyete, boyete. Nakoya nazete, nazete, nazete. Alo ngaite, ngaite, ngaite. Nasuka boyete. Oyete, oyete. Naza kose ngangaye, loboko na yo, zalalanga. Malimite nangaye, ekweya ye, makamu ebongwa na ye, ebongwa na ye. Naloka ye, zamba baruti, naloka ye. Salamai la longa, salamai la longa, zamba baruti la longa. Bonga moya moyo, bonga moya moyo, zamba baruti la longa. Toko mina suka, zamba baruti la longa. Zamba baruti na longa e, na lingi na longa e, na lingi na longa. Zamba baruti na longa e, fongola ndelola e, fongola ndelola. Zamba baruti na longa e. Hallelujah. Chapitre 2. Mi sala na bantoma mokapwa mibale. Le jour de la Pentecôte,
Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Na mokolo na kitela bango nyonso basangana ki nesika moko. Tout à coup, il vient du ciel, un bruit, comme celui de vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Na poissa mo pepe loko mo pepe ya makelele loko alokito ya mo pepe makasi. Et tondisaki ndako esika bango bafandaki. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées l'une des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ndemo lokola bandemo na moto yango emonanaki epai na moko na bango mpe e kaboni efandi liko na moto ya moko na bango. Et ils furent tous, j'insiste, tous rempli du Saint-Esprit et se mit à parler en langue, en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mais bango bango nyonso batonza baki na molimo santo. Nazali ko ba malamu bango nyonso batonza bi na molimo santo pe babandi koloba na minoko na sika kokokana na ndenge molimo bande ko pesa bango na koloba. Oh, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous les ciels. Bon, Njokande, Kuna na Yerusalema, Batebele Bapaya Bayaki, Bapaya Nabituka na Bayuda, Ibali Oyo, Bazaki Kosambe la Penza Bemakasi, Kouta na Mabota Nyonso, Oyezali na Sena Moi. Au bruit, Kinye, la multitude a couru et elle fut confondue. Parce que chacun les attendait parler dans leur propre langue. Nakoyoka lokitowana bibele na bato ba potimbangu ba yei pona kotala bongo bazwaki mobulu po bayoka ki bato yango bazali koloba moto na moto azalaki koyoka na munoko mboka na yi. Ils étaient tous dans l'étonnement et dans la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, sont-ils pas tous galiléens? Bongo bango nyonso bakamwaki makasi pe basutu kaki pe bamilobaki boko na basusu ete tala bato nyonso bazali koloba wa to bango nyonso bazali bato na Galilée te. Mais comment les attendons-nous dans notre propre langue à chacun? Kasi ndenge nini tozali koyoka bango koloba moko na moko na biso na kati na munoko ya mboka na ye, dans notre langue maternelle, na molokota ya mboka na biso? Partes, Medes, Elamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont de l'Asie. Batona Partes, batona Medes, batona Elamite, ba oyo bafandi na Mésopotamie, batona Judée, batona Cappadoce, batona Ponti, mpe batona Asia. La Phrygie, la Pamphylie, la Pamphylie d'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Batona Pigi, batona Pamphili, batona Egypto, batona Etuka na Libya, pe bato bavandi pene Etuka na Cyrène, pe bonyo so bautaki na Roma, bayuda pe bandimi. Crétois et arabes, comment les attendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Batona bakelete, batona ba arabe, mpe balobi. Boni tozali koyoka bango koloba na minoko na biso nyonso pe bazali kosakola misala minene na Nzambe. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Bango nyonso bakamwaki pe mayele esilaki bango bamilobanaki boko na basusu ete makamboyo tokoloba nini mpona yango. Dieu notre Père céleste, Nzambe tata na biso na likolo, nous te remercions pour la Pentecôte, totoni yo mpona Pentecôte que tu nous avais envoyé à Rigini. Oyo tindelaki biso awa na Rigini. Nous voulons que ce feu continue, tolingete moto oyo ekoba
Seigneur, Kolo. Nous avions vu la colonne de feu descendre et entrer dans notre église. Nous ne méritions pas cela. Nous n'avions que des nattes. Mais tu étais présent. Toi, yo, le Dieu de Pierre, le Dieu d'André, le Dieu de Jacques, Yacobo, le Dieu des apôtres, le Dieu de Jean, le Dieu de Branham, le Dieu de Rigini, Rigini. Tu nous avais honorés. Nous voulons enseigner un peu. Aide-nous, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Donne-nous ton intelligence. Afin que nous puissions parler de toi. Et du Saint-Esprit. Et bénis cette église, Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons une grande bénédiction. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Aujourd'hui, je vais prêcher sur comment savoir que tu l'as reçu. Si vous avez des doutes, c'est que vous ne l'avez pas. Celui qui a une veste comme moi, ici, si, enlève un peu ta veste. Si je prends encore une veste, pour mettre, cela signifie que je ne crois pas que j'ai une veste. Et si vous ne croyez pas que vous avez le Saint-Esprit, c'est grave. C'est une question de vie ou de mort. Le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle. Vous devez être sûr que vous l'avez. Pour que vous soyez tranquille, il ne faut pas avoir des doutes. Je ne sais pas, mais ce jour-là, je pense que c'était. Non! Comment savoir que tu l'as? C'est ça ma prédication d'aujourd'hui. Comment savoir que vous avez le Saint-Esprit? C'est une question de vie ou de mort. Parce que le Saint-Esprit est très important. Manquer l'argent, manquer les gloires de ce monde. Mais ne manquez pas le Saint-Esprit. Vous devez être sûr que vous l'avez. Ou alors, venez dimanche quand nous imposerons les mains, vous aurez. Amen. 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 Notre modèle à nous, du baptême du Saint-Esprit, c'est ce qui s'était passé à la Pentecôte. Sur la chambre haute, on n'a pas d'autre modèle. D'ailleurs, depuis que Dieu a créé le monde, c'était la première fois que Dieu entre dans les hommes. C'était le jour de la Pentecôte. Il y avait là 120 personnes qui attendaient la promesse du Père. Et le Saint-Esprit est descendu sous la forme de la colonne de feu. Et le Saint-Esprit s'est subdivisé en morceaux. Et il est entré dans chacun de ces 120 personnes. Il est entré dans chacune de ces 120 personnes. C'est ça le modèle. Amen. Amen. Le modèle, c'est ça. C'est le modèle biblique. Frère Branham, est-ce que c'est la vérité? Oui, parce que Baruti. C'est la vérité. C'est ça le modèle. Pas un autre. Amen. Amen. Pas d'autre expérience. Ce
Seulement ça. Kakoyan. C'est ça le modèle. Yangonenda kisa. Amen. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Tu es merveilleux. Ozali malamu. Oh nos frères. Oh tendeko. Quand nous avons cru, dans obiso ton dimeraki, nous avions eu le Saint-Esprit. Tozwa ki moli mo santo na tango wana. Oh. Quand tango nini. Oh frère Balama dit, on ne comprend pas lobi. Le Saint-Esprit sans sensation. Moli mo santo ko sanga ko ningana. On va lui poser la question. Toko tuna emo tuna. Voilà comment le Saint-Esprit vint la première fois. Tala lolenge moli mo santo ayaki mpo na bana liboso. Voilà comment il vient chaque fois. Tala lolenge ayaka tango nyonso. Depuis ce temps-là. Uta tango wana. Il est Dieu, il ne change pas. Azali nzambe abonga na kate. Bien sûr, cela achoppe les gens. Solo toboite yango beta bato. Oh, il tombe. Ah, bakoya. Oh, il tombe, il roule. Bakoya ka baba Lucas. Ça achoppe les gens. Et beti saka bato. Ils disent bazoloba. C'était pour un autre jour. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui on vous prêche, vous êtes là. Et puis vous avez le Saint-Esprit. Non. Ouais. Depuis que les enfants naissent dans ce monde. Le premier c'était qui? Caïn. Caïna. Abel. Abel. Il naissent toujours de la même façon. Toutes les femmes accouchent de la même façon. Et quand l'enfant sort, l'enfant crie de la même façon. Personne ne peut changer cela. Voilà comment le Saint-Esprit vint la première fois. Voilà comment il viendra une autre fois. Depuis tout ce temps, il est Dieu, il ne change pas. Maintenant, cela chope les gens. Ils disent que c'était pour l'autre jour. Non, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Chaque fois que l'Esprit de Dieu, chaque fois que l'Église n'a jamais reçu le Saint-Esprit, il vient toujours comme la première fois. Sous la prescription de Actes 2:38. Cela n'a jamais changé. Et cela ne changera jamais. C'est ça le modèle. Actes chapitre 2. Quelqu'un peut dire amen. Oh non, moi je m'accroche. Moi j'ai le Saint-Esprit sans sensation. Quand on aura l'enlèvement, tu resteras. Tu dois être sûr que tu as le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire amen. Est-ce que mon amen? Moi, en ce qui me concerne, je dis Seigneur, je veux être sûr que j'ai le Saint-Esprit. Et je l'avais reçu. Amen. Je l'avais reçu plusieurs fois. Oh, frère m'a dit. Sans sensation. Écoutez. Ici, c'était l'enseignement. Awa, eza malakis. Un enseignement doit être biblique. L'enseignement doit être basé sur la Bible. Tout ce que Frère Madame a prêché, c'est biblique. Frère Madame, son message est basé sur la Bible. Il n'y a aucun endroit dans la Bible. Où quelqu'un a reçu le Saint-Esprit sans émotion, sans sensation. Montrez-moi cet endroit-là. Mais moi je vous dis, partout où les disciples de Jésus avait reçu le Saint-Esprit, quelque chose s'était passé. Vous avez
avez des bics. Wali na babiki. Des stylos à billes. Wazana babik. Et des cahiers. Na ba cahier. Noté. Bokoma. À la chambre haute. Nete nanda kwa likolo. Acte 2. Misana matoma mi ba. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Et si kabazwa ki moli mosa. Quelque chose s'est passé. Et lokomo ko salima ki. Ils ont parlé. Alors. Et les gens étaient étonnés. Voilà, ton Saint-Esprit, seulement comme cela. Toi-même, tu doutes de cela. Ça, c'est un. Voilà, Yaliboso. À Samarie. Là-bas, Samaria. C'est acte 8. Allons là-bas. Misana Bantoma, Mwambe. Token Nakuna. Ils avaient reçu la parole de Dieu. Bango Bazogi Lobananzambe. Mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Kasi Bazogi Molimo Santute. Acte 8. Verset 14 à 17. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Moi j'ajoute, ils avaient la parole de Dieu, mais sans le Saint-Esprit. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes le mon angai? 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains. Et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. En leur disant, accordez-nous. Accordez-moi aussi cette puissance. Vous pensez qu'il n'avait rien vu? Il va acheter sans avoir vu quelque chose. Alors Frère Branham, dis-nous, qu'est-ce qui s'était passé? À Samarie. Vous voulez le savoir? Maintenant écoutez. C'est la prédication. Question-réponse du 15 mai 54. Paragraphe 114-115. Pasteur Baruti, quelque chose arriva. Quand Pierre imposa ses mains sur eux, et quand ils le font encore, j'ai vu juste tomber comme des mouches, comme cela. Donc Dieu lui a donné une vision. Quand Pierre posait les mains, ils ont reçu la puissance de Dieu sur eux et ils tombaient comme des mouches, comme cela. Comme le Saint-Esprit les frappait par l'imposition des mains. Oui, Pasteur Baruti. C'est la doctrine apostolique d'imposition des mains. Que Dieu vous bénisse, Pasteur. Merci, Pasteur Branham. L'homme là, Simon le magicien, a vu comment la puissance de Dieu descendait sur ces gens-là. Et il tombait par terre. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que ça solo? C'est question et réponse. Du 15 mai 54. Paragraphe 114-115. Je ne fabrique rien. Amen. Amen. Mais ils avaient reçu déjà la parole de Dieu. Mais. Ils n'avaient pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais ils avaient reçu le message de leur époque. Prêché par Pierre. Prêché par les apôtres. Mais ils n'avaient pas encore fait l'expérience du baptême du
Saint-Esprit. Comme Pierre avait la clé, et le col à pente, c'est lui qui devait ouvrir pour Jérusalem. Et après, il devait ouvrir pour Samarie. Et après, il devait ouvrir pour les nations. Vous voulez qu'on aille vers les nations? Chez Corneille, et pas dans Colonel, à Césarée, et pas dans Césarée. Allez dans Acte 10. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Centenier de la cohorte des Italiennes. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup de peau et de monde au peuple. Et il priait Dieu continuellement. Quand vous donnez au peuple de Dieu, vous donnez à Dieu, et Dieu ne vous oubliera pas. Et Dieu a envoyé un ange simplement parce que Corneille donnait beaucoup au peuple de Dieu, comme ce frère là a sorti $21,000 pour ma maison, pour ma parcelle. Mais Dieu l'a guéri. Dieu est allé à son secours. Mes frères, Dieu n'oublie même pas $1 que tu donnes à un serviteur de Dieu. Dieu n'oublie même pas le pagne que tu donnes à une femme qui n'a rien à mettre. Dieu, n'oublie pas l'argent que tu donnes à un pauvre. Et il a voit un ange. Et Dieu connaît ton adresse. Et l'ange est descendu dans son adresse. Et il lui a parlé. Il lui a dit, toi, Dieu t'aime. Alléluia. Amen. Oh, moi, ça m'étonne. Dieu t'aime. Et lui, il regardait avec beaucoup de peur. Envoie maintenant des hommes à Jopé. Fais venir Simon, surnommé Pierre. Tinda siko batokuna na Jopé pe babenga Simon a ona kombo. Il lui a donné l'adresse de Pierre. Apesiye adresse ya Pierre. L'ange connaît là où tu vis. Angelou aibi bisiko vandaka. L'ange connaît mon adresse, ton adresse. Angelou aibi adresse nanga aibi adresse na yo. Amen. 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 Le ciel est descendu. Lola et Kitaki. Et Pierre est venu. Pépetelo Ayaki. Et il tremblait. Il dit, ce sont des incirconcis. Alors, mais Bazali, Bisoute, Bazali Koko. Si on me voit avec eux. Soki ba moninga ina bango. Oh, comment est-ce que les Juifs vont me traiter? Bango ba pagano. Bayuda ba koloba boni ponangai. Dieu choisit qui il veut. Zambe aponakamoto yeboko alingi. Dieu ne regarde pas aux tribus. Zambe atala kabikolote. Dieu choisit. Zambe aponaka. C'est tout. Et Sili. Va vers Jopé. Kenda namboka Jopé. À Césarée. Na Césarée. Et il a commencé à leur parler de Jésus. Bongo akoma kolobela bango na tina na Yesu. Nous chantons Jésus. Biso toyembelaka Yesu. Nous adorons Jésus. Biso tokumbelaka Yesu. Nous prêchons Jésus. Biso toteyaka Yesu. Je ne prêche pas Paul. Je ne prêche pas Branham. Je ne prêche pas Pierre. Je ne prêcherai jamais aucun homme. Je prêche Jésus. Quand vous élevez Jésus, et Dieu vous bénit. Quand vous élevez Jésus, Dieu envoie l'onction. Il est le plus beau entre divins. Il est le Fils de Dieu. Il est le Créateur. Et là où Jésus se trouve, il y a Baruti. Ah, Tikangai. Ah, laisse. Tikangai, Baruti. Laisse, Baruti.
Il est le roi des rois. C'est lui le créateur. Ah, Kamata. Baruti Tabernacle. Ah, Baruti Tabernacle, bonsoir. Baruti Tabernacle. Baruti Tabernacle. Voici le Saint-Esprit. Allez, bonjour, mon libre saint. Acte 10. Misala Batomazon. Oh, Jésus. Oh, Yesu. Oh, Seigneur des Seigneurs. Kolo Nabankolo. Commençons au 43. Toba Natana Tugumine Namisato. C'est formidable. Ça fait du bien. J'ai dit 43. Prenons même 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu. Parce que Jésus était rejeté. Il dit à ses disciples, dis-leur, c'est moi que Dieu a établi. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous et lui il prêchait cela. C'est lui que Dieu a établi. Amen. Amen. Il est le juge des vivants et des morts. Azali mosambi sina batuna bomo. Tous les prophètes lui rendent témoignage. Basa kolinyoso bazali kotato la ye. Et quiconque croit en Jésus, pe motona ni akonimela Yesu. Reçoit par son nom le pardon des péchés. Akozwa na kombo na ye bolimbisi na masu. 44. Tokumine na minu. Comme Pierre prononçait encore ces mots, lokola pete la zalaki na ino koloma maloba wana. Le Saint-Esprit a fait quoi? Descendit. Akitaki. Sur tous, je souligne tous. Likolona banso. Narobi malamu batonyosu. Ici, tous vont recevoir le Saint-Esprit. Awa batonyosu bakoza molimo saint. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur tous. Tous ceux qui écoutaient la parole. Est-ce qu'ils connaissaient le Saint-Esprit? Est-ce que Saint? Non. C'était des païens. Est-ce qu'ils ont demandé à Dieu de donner nous le Saint-Esprit? Non. Parlez seulement de Jésus. Le Saint-Esprit descendra. Le Saint-Esprit était étendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Moli Monsanto, akitaki likona ba ono so basaki koyoka liloba. Wow. C'est ça. Maintenant, les Juifs ont commencé à juger. Sikoyo bayuda babandi ko sambisa. Allez repousser. Tous. Tous les fidèles circoncis, donc les juifs, qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés. Oh. Est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit? C'était étonné. Et c'est que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car il les entendait faire quoi? Parler en langue et glorifier Dieu. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Saint-Esprit est tombé sur eux. Ils ont commencé à glorifier Dieu et à parler en langue. C'est ça, non? Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Ah Jésus. Oh Yesu. Le jour de la Pentecôte, ils ont parlé à l'âme. Namokona Kitela, Baba Kiminokonasika. À Samarie. Naba Samalia. Ils sont tombés, ils roulaient par terre. Bakweaki, Babalukaki Namabele. À Césarée, c'est Corneille. Na Césarée et pas la colonel. Ils parlaient à l'âme et ils roulaient par terre, ils glorifiaient Dieu. Baloba Kiminokonasika, Babaluki Namabele, Pe Bazaliko. Acte 19 de 1 à 6 à Éphèse, pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie,
arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit? Là-bas, c'est quand? Moi, j'ai dit: depuis que vous avez cru. Il lui répondit: nous n'avons même pas. Notre prédicateur ne prêche pas ça. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Mais lui n'a pas de Saint-Esprit, il va prêcher sur Dieu. Et il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en qui? Jésus, celui qui venait après, c'est-à-dire Jésus. Ah, mais vous croyez en Jésus, vous devez recevoir le baptême au nom de Jésus. Mais sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de qui? Du Seigneur Jésus. Lorsque Paul eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ici, c'est à Éphèse. Et quand Paul leur a imposé les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont fait quoi? Ils ont parlé en langue. Ils ont prophétisé. Montrez-moi une place dans la Bible où quelqu'un reçoit le Saint-Esprit sans émotion, sans sensation. Ça n'existe pas. Si vous avez compris, dites amen. Maman, faut calme-toi, je regarde la montre, chérie. Posons la question à Frère Branham. Aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie. Frère Branham, est-ce que quelqu'un peut recevoir le Saint-Esprit? Est-ce que mon tango mon saint? Sans que rien ne se passe. Parle-nous un peu, Frère Branham. Il dit: oh non, ça ne peut pas se faire. C'est comme une femme qui va enfanter et la femme ne sait rien. Alors on l'avait endormi. C'est que vous m'avez compris? Est-ce que vous avez compris? Si vous avez compris, dites amen. Amen. Je voudrais aller lentement pour que vous puissiez comprendre. Ouf. Dans la prédication, la sauterelle, le gazam, le azil et le jélec. La canalité à Sotrael Gazam Azil na Yeleke. Paragraphe 190. Etena sangomoka matoko libwa 190. Frère Madame dit ceci. Deko banama biboye. Il n'y a aucun endroit dans la Bible. Ezali ne sika moko te na kat na Biblia. Où ils n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. O batikala kozwa molimo santu sans avoir d'émotion. Kozanga ete bame mama na molimo. Sans parler en langue, sans cri, sans louange à Dieu, sans prophétie, sans manifestation. Non. La sauterelle, le gazam, le azil, le jelek, je n'ai rien caché. Paragraphe 190. Et il y a les qui paient asile. C'est pas moi.
Et ce frère Branham dit, il n'y a aucun endroit. Soit, si toi tu l'as reçu sans sensation, aujourd'hui il cherche à recevoir ça avec des émotions. Ça va apaiser votre cœur. Eko kitisa motema na yo. Donc identifié à Christ. Na lité à Koko Kanisama na Christ. Du 18 décembre 1959. Barat 23. Iboa était dans Sangotung Banam. Frère Banam dit ceci. Personne ne peut recevoir le Saint-Esprit sans que quelque chose de lui arrive. Écrit, c'est vrai. Donc, question réponse numéro 1. Là, c'est en 1964. Quand Frère Balan parle de sans sensation, c'est décembre 1962. Là, monsieur, et c'est l'heure. Est-ce que mon est commis? Mais ici, c'est 1964. Le même prophète. Le même précieux prophète. Il dit ceci. Vous ne pouvez pas recevoir le baptême du Saint-Esprit sans avoir une expérience quand cela arrive. Amen. Amen. Ça commence à devenir de plus en plus clair. Et bandi koko ma polele koleka. Moto a kosayote. Que personne ne te trompe. Non. Te. Que personne ne te trompe. Moto mo kota kosayote. Vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit sans avoir une expérience. Quand cela arrive, c'est comme une mère. Ça, c'est en 1964. La question répond numéro 2. Il dit la même chose. Question 289, paragraphe 94. Il dit, eh bien, pouvez-vous imaginer une mère qui donne naissance à un bébé? Abi madame, est-ce que vous avez dit que vous avez maman, oya boti mwana. Et qui ne le sait pas? Azanga koebeta boti. Amen. Amen. Non. Vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit sans le savoir. Il dit, il y a quelque chose qui prend place. Voyez-vous, il y a quelque chose qui vous change. Question réponse numéro 2, paragraphe 94. C'est toujours Branham. Pourquoi on s'accroche seulement une seule place là? Ezalika Branham. Matobako kangamakane sika moko wana. Ah, la kangia. Ah, j'ai saisi cela. Et vous allez rejeter tout ça? Bongo, nyonso yokobo yango. Il faut faire attention. Keba. Jésus revient. Yesu azali kozonga. Aïe. Frère Branham dit ceci. Une converse apporte une expérience. Dans Hébreux chapitre 3, paragraphe 40. Dans le Bible, je suis dit que 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 il dit ceci. Une conversion apporte l'expérience. Et vous ne pouvez pas assigner cela à aucune chose maintenant. Quelquefois cela peut être crié. Quelquefois cela peut être
parler en langue. Quelquefois, cela peut être pleurer. Quelquefois, cela peut être grogner. Ne critiquez pas cela, mes frères. Donc le baptême du Saint-Esprit, quand cela se fait avec vous, ça peut faire beaucoup de choses. Vous pouvez crier, vous pouvez parler à langue, vous pouvez pleurer, vous pouvez tomber et rouler par terre et avoir la joie dans le cœur, des larmes dans les yeux et vous prophétiser. Vous parlez à Dieu. Vous titubez. Comme les premiers chrétiens. Les 120 titubés comme ils étaient ivres. Ivres du Saint-Esprit. Mes frères, nous enterrons ces fausses doctrines-là. De cette vie, de cet esprit calme. Un enfant qui vient au monde. Et il sourit. L'enfant vient de naître, il sourit. Je viens de naître. La nouvelle naissance Mbotama Nasika a toujours été un gâchis. Et son béba. Les gens vont vous tenir. Vous ne saurez plus marcher correctement. C'est ça la vraie nouvelle naissance. Authentique. Ya solo. Biblique. Ya Biblia. Du message. Ya sango. Est-ce que Paul avait fait cette expérience? Est-ce que Paul a dit qu'il avait fait Frère Banam. Est-ce que vous aussi vous croyez en parler en langue? Est-ce que vous pouvez dire la camino conasica? Oui. Io. Oui. Io. Frère Banam. Est-ce que vous croyez au parler en langue? Est-ce qu'on dit la camino conasica? Oui. Baruti, tu crois au parler en langue? Mais est-ce que Baruti on dit la camino conasica? Oui. Io. Quand j'avais reçu le Saint-Esprit, j'avais parlé en langue toute la nuit. Narobaki mono conasica butu mobimba. Je crois au parler en langue. Gai nandi mela camino conasica. Écoutez, frère Branham. Boyoka ndeko Branham. La marque de la bête. Elimbonanyam. Paragraphe 70. Etena sango tukusa. Il dit ceci. Allez biboyi. Crois-tu en parler en langue? Oui, je crois. Je remercie Dieu pour cela. J'ai pu une fois parler en langue. Et je crois que c'est la puissance de Dieu. Mais je ne crois pas que ce soit le seul signe du baptême du Saint-Esprit. Non, je ne crois pas ça. Quelqu'un peut pleurer. Il n'a pas parlé en langue. Mais il a reçu le Saint-Esprit. Il peut tomber. Il n'a pas parlé en langue. Mais il a reçu le Saint-Esprit. Il peut rouler. Il n'a pas parlé en langue. Mais il a reçu le Saint-Esprit. Il peut courir. Il n'a pas parlé en langue. Mais il a reçu le Saint-Esprit. Il y a un esprit qui est entré en lui. Il fait des choses qu'il ne pouvait pas faire. Avant, il est poussé par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Il dit, mais je crois que lorsque le Saint-Esprit remplit une personne, il lui donne le parler en langue et tous les autres signes. Il lui donne aussi des prodiges. Tel que vous êtes là, vous êtes capable de faire des prodiges. Pas seulement moi, vous aussi. Vous êtes capable de faire des miracles.
Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Les œuvres que je fais, celui qui croit en moi fera même des plus grandes. Vous êtes capables de faire des prodiges. Pourquoi? Parce que vous avez reçu le Saint-Esprit. Ah! Vous m'aidez là. Amen. Frère Branham, est-ce que Paul avait fait aussi l'expérience du baptême du Saint-Esprit? Ndeko Branham, est-ce que Paul a mis quelqu'un qui peut le mettre comme au centre? Oui. Iyo. Prenez acte 9. Kamata misana matoma moka poliboa. Prenez avec moi acte 9. Kamata le monanga misana matoma moka poliboa. Paul avait fait l'expérience. Oh la bique la kilobiko. Oh je suis prédicateur. Oh ngai naza motei. Ton travail, osana yo, c'est d'injurier notre prédicateur. Et aussi mosala kaka ya kofinga motei mosusu. Non, le travail du prédicateur c'est de prêcher Jésus. Et ça bon motei. Mosala ya motei ezali ya kote ya Yesu. Aujourd'hui le travail du prédicateur, lelo mosala ya motei, c'est de prêcher le message de Frère Branham. Ezali ya kote ya sango ya ndeko Branham. Et de manifester le message. Pe ya komunisa sango na misala. Comme nous le ferons à la campagne. Ndenge tokosala ngo na campagne. Vous verrez ça à la campagne. Vous l'avez déjà vu plusieurs fois. Possible. Oui, Paul avait fait une expérience. Acte chapitre 9. Verset 17-18. Anani a sorti. Anani a bimaki. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison. Donc, la maison où se trouvait Paul. Et si Paul a Zalaki, il imposa les mains à Saul. A Tielaki Saulo Maboko. En disant, Saul, mon frère. Alobi Saulo Ndekonangai. Le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin. Kolo Yesu Oya Monani na Yokuna Nanzela. Par lequel tu venais. L'envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Un grand serviteur comme Paul, il fallait que Dieu envoie quelqu'un pour lui imposer les mains pour qu'il reçoive le baptême du Saint-Esprit. Mais après, Paul était plus grand que cet homme-là. Paul a zalaki monene koleka. Soyons humbles. Tozala na komiki tisa. Et quand Anania lui a posé les mains, tango Anania a tiré ma boue. Est-ce que Paul était resté seulement comme ça? Est-ce que Paul a tiré quand n'importe quoi? Non, les écailles sont tombées de ses yeux. Eh, baposo ya miso ekoyaki ye. Au même instant, c'est le verset 18. Lambalamoko nzela zomi na mambe. Il tomba de ses yeux comme les écailles. Et il recouvra la vue. Et il se leva. Et fut baptisé. C'est au nom de Jésus-Christ. Donc Paul a fait l'expérience, n'est-ce pas? Frère Branham, dis-nous aussi. Montre-nous si Paul a fait l'expérience. Du baptême du Saint-Esprit. Il dit oui, pasteur Baruti. Sans expérience du baptême du Saint-Esprit, comment vous allez prêcher? Comment vous irez au ciel? Dans Hébreux chapitre 3, paragraphe 40. Il est dit ceci. Ainsi, Paul a eu une expérience. Amen. Amen. Combien croient que l'expérience vient de la conversion? Paul a fait une expérience. Paul a bien qui l'obéit comme. Dans Hébreux chapitre 2, paragraphe 243. On montre que Paul a fait encore une expérience. C'est Branham qui parle, pas moi. Paragraphe 243. Hébreux chapitre 2, troisième partie. Paul
Aussitôt qu'il fut converti, avant qu'il eût pu faire son expérience, maintenant, il eut une expérience merveilleuse. Il eut une expérience merveilleuse. Maintenant, je crois que quand vous acceptez Christ, juste comme votre sauveur personnel, c'est une expérience. Je crois que la joie de connaître que vos péchés sont pardonnés tressaille juste dans votre cœur. Mais 244. Mais, alors quand le Saint-Esprit descend, voilà une expérience. Cette nouvelle naissance. Mais, quand le Saint-Esprit descend, voilà une expérience. Cette nouvelle naissance que vous n'oublierez jamais. Vous devenez un fils ou une fille de Dieu. Oh, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel. C'est bien. C'est votre conversion. Mais quand le Saint-Esprit descend sur vous, vous recevez le baptême du Saint-Esprit. C'est alors que vous devenez fils et fille de Dieu. C'est ça l'expérience que Paul avait faite. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Alors Branham aussi a fait l'expérience. Bongo, Branham est pas bien qu'il a bico. Frère Branham, est-ce que tu as fait l'expérience? Déco Branham, est-ce que bien qu'il a bico? Oh oui, Pasteur Baruch. Io mo kengeli Baruch. Moi, je fais une expérience avec Dieu. Ngai na bien qu'il a bico, mo konanzambi. Dis-moi comment c'était, Pasteur Branham. Lobela ngai na nouveau prophète Branham. Mo sakoli Branham, est-ce qu'il a bico? Sans prix, sans argent. Na katina kozanga kofuta mbongo ya ofele. Paragraphe 86. Dans un groupe de petits soi-disant saints comédiens, un soir, les saints qui roulent par terre, c'est comme ça qu'on nous appelle. J'ai trouvé ce dont j'avais besoin. Ce que l'argent était incapable de acheter. Dans une bande de nègres. William Branham a fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. William Branham a piqué l'obiko ya Molimo Santo. Dans une bande de nègres. Nalisanga moko ya bato ya baindo. Illettré. Bainga batangate. Non éduqué. Habillé pauvrement. Pour commencer là-bas, dans un petit vieux salon converti. Sur le pavement. Ce qui était tombé par terre. Il était sur le pavement. Là, j'ai trouvé un prix. Là j'ai trouvé un bijou. Lorsque ce vieux noir me regarda en face et me dit: avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? Est-ce que aussi aux hommes saint? Alléluia. Depuis que vous avez cru, cela était quelque chose que je voulais. Je ne m'attendais pas à ce que je puisse trouver cela parmi ces gens-là. Et pourtant, ils avaient la chose que j'avais besoin. Où est-ce que Frère Branham a reçu le Saint-Esprit? Dans une église des Noirs. Dans une église des Noirs. Oh, nous voulons que les Blancs puissent aimer le pasteur Baruti.
Moi je les aime. Je veux qu'ils puissent m'aimer. S'ils ne m'aiment pas, je sais qu'il y a des gens qui m'aiment. Je sais qu'il y a des gens qui m'aiment. Amen. Il a trouvé un bijou. Azuaki Penza Paoni de grand prix. Yantalo Monene. Quand cet homme-là lui a imposé la main. Tango Mobaliwana Atiela Kiemaboko. Ce vieux noir. Mobangena Motomoïna. Dans l'histoire de ma vie, Nakana Lisona Bomoinanga. Il est rentré à la maison. Azonga Ginanda. En titubant. Azali Kotenga Tenga. Hop lui dit. Hop Alobinaï. Faites attention. Bokeba. Hop était morte à cause de ça. Hop a koufa kikanatina ligamboy. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous voyez bien? Qui le sait lever la main? Ne jouez jamais avec le Saint-Esprit. Hop l'a vu. Il venait en titubant. Je rentrais à la maison. Ma femme me rencontra et dit: oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et le salami. Qu'est-ce qui te rend si joyeux? Billy, qu'est-ce qui s'est passé? Billy, je dis, j'ai rencontré la crème de la moisson. Nakutani na mafuta na nzoi. J'ai rencontré Rigini Tabernacle. Nakutani na Rigini Tabernacle. J'ai rencontré Baruti Tabernacle. Nakutani na Baruti Tabernacle. J'ai rencontré la crème de la moisson. Nakutani penza na mafuta. Mais c'est quoi? Abidi. Oh mon Dieu. C'est le meilleur. C'est le meilleur que je n'ai jamais vu. Ces gens-là ne sont pas honteux de leur religion. Et je lui ai raconté tout à ce sujet. Et voici, il dit: chérie, ce sont des imitations. Il y a un frère qui est ici. Quand il regarde ce qui se passe à Charlotte, il dit: oh, ce sont des, comment il appelait ça, des émotions. Et il met ça à l'internet. Frère, faites attention. Si ce sont des émotions, et t'as au WAP, ton problème. Par où il commence d'abord? Au coup forbé, bam, babou. Tu vas mourir comme ça, à ta propre perte. Il parle, ce sont des émotions. Ah bien, Ezalika Koningana Pamba. Ce sont des émotions. Il n'a même pas une église ici. Il n'est même pas prédicateur. Il voit les gens recevoir le Saint-Esprit. Et il les critique. Hallelujah! Amen. N'essayez pas. Et la femme a commencé à parler. Elle dit: Alobi. Ne sont-ils pas des holy rollers? Est-ce que Batouana Bazali Batoyo Babaluka Babaluka na mabelete? Ne sont-ils? Oh Jésus. Oh Jésus. Ne sont-ils? Est-ce que Zali Bato Babaluka na mabele? J'ai dit, je ne sais pas quel genre de holy roller. Mais ils sont quelque chose que je désire. Ils ont quelque chose que je désire. Attends, j'ai reçu la chose. Oh, je vais parler à maman. Ah, le branamiste. Moi, je ne les aime pas. Je vais parler à maman. C'était sa mort. Liwa ya ope yangoane. Bien que c'était la femme du prophète. Je ne sais pas quel genre de holy roller ils sont. Mais ils ont quelque chose que je désire. Voilà une chose dont je suis sûr. C'est que Frère Barnum avait fait le baptême du Saint-Esprit, avait fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Répondez. Oui. Bien qu'étant prophète, un puissant prophète, il avait besoin de passer par l'expérience
du baptême du Saint-Esprit. Il peut vous dire comment cela est arrivé. Il peut pas oublier. Il racontera ça tous les jours de la même façon. Mais vous passez par route. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Est-ce que vous avez reçu? Oh oui. Oh, so, io. Oh oui. Io. Oui. Io. C'était comment? J'ai prié aux assemblées de Dieu. Et j'avais accepté le Seigneur Jésus comme mon sauveur personnel. Et on devait me baptiser dans la grande église des assemblées de Dieu. Qui connaît cette église là ici, levez la main. Voilà les mains. Une grande église. Le baptistère était devant. Alors que moi je priais dans l'assemblée de Dieu de Christ roi. À Kasavubu. Et on m'a amené là-bas. On m'a dit, tu dois acheter un drap pour recevoir le PV. Quand tu sortiras de l'eau du baptême, on te jettera le drap blanc sur toi. Et comme ça, tu recevras le Saint-Esprit. J'ai dit, montrez-moi là où c'est écrit. La Bible est là. Bible est là. Ils m'ont dit, ce n'est pas écrit. J'ai dit, je ne crois pas. Les premiers qui avaient reçu le Saint-Esprit à la chambre haute n'avaient pas de drap blanc. Et ils sont allés me baptiser. J'ai vu comment quand on jetait le drap blanc, surtout sur les femmes, comment le peuple, l'Esprit de Dieu descendait sur elles. Et quand moi on m'a sorti, j'ai dit, Seigneur, tu ne m'as pas donné le Saint-Esprit. Je te demande le Saint-Esprit. Ils m'ont dit, passe, il y a encore d'autres qui vont venir. Je suis allé à la maison. Frère Branham a fait la même expérience. Je ne connaissais pas le message de Frère Branham. J'étais pentecôtiste dans les assemblées de Dieu. Mais écoutez-moi très bien. Je dors. Je vois une colonne de feu au-dessus de moi. Dans mon rêve, je regardais la colonne de feu. Et il commençait à me parler dans une langue inconnue. Je lui ai dit, Seigneur, je ne comprends rien. Parle-moi en français. Et la colonne de feu a changé de forme. La colonne de feu est devenue une croix en or. Et il me dira, tu es mon serviteur. Tout serviteur de Dieu doit avoir un endroit pour la prière. Comme Moïse, il retournait toujours à l'endroit où je l'avais raconté. Quand il avait des problèmes, viens, je vais te montrer. Là où tu prieras, quand tu auras des problèmes, je suis sorti avec lui. Quel bonheur de sortir avec Dieu. Et il était à côté de moi. Il avait la forme d'un ange. Il m'a amené entre Makelele, la rivière Makelele, l'autre rivière là. Et rivière na rivière. Et nous sommes descendus. Et il me dit, ici. Tu viens de prier ici. Ce pied ne touchait pas le sol. Et il m'a pris encore. Ça, ce n'est pas une expérience du Saint-Esprit. Je l'oublierai jamais. Il m'a amené jusque
dans mon lit. Il m'a dit, entre ici. Je suis entré. Je me réveille. C'était un songe. Acclamez le Seigneur Jésus. Et quand il y avait un problème, quand ça ne marchait pas, je partais là-bas. Je me mettais à genoux, ma femme ne savait pas. Deux fois toute la nuit, j'étais à genoux. Je disais, Dieu, tu voulais que je vienne ici. Je n'ai plus d'emploi. Je n'ai plus de travail. On m'a révoqué pour le bien que j'avais fait. Il me dit, on va t'engager aujourd'hui. Le matin, je sors de cet endroit. Je commence à marcher vers 8h du matin. Une voiture s'arrête. Un blanc, Monsieur Foster. Il dit, Baruti, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, je ne travaille plus. Il me dit, viens avec moi, je vais t'engager à l'Omnisa. Amen. La deuxième expérience. Lobiko Yamibali. On a gêné pendant 3 jours. Et on était dans la maison de frère Boalungu. Non, laissons ça. La deuxième, dans Zambé Malam. Tout le monde voulait le Saint-Esprit. Moi, et Mbombo, Papé Mweli, et Ngepa, et Nanga. On a gêné pendant 3 jours. Sans boire, sans nourriture. Et nous sommes allés à l'église de Nzambe Malam. Et on a commencé à prier pour avoir le Saint-Esprit. Je crois que je vous ai déjà raconté ça. Et Ngepa qui disait, Nalo basikoyo. Ngepa a commencé à parler à là. Que je parle maintenant. C'est ce que nous avait enseigné. Le Saint-Esprit, il faut parler à là. C'est ce qui est enseigné chez les Pentecôtistes. Et moi, je dis, quelqu'un que moi j'ai amené à Christ. Comment il peut recevoir le Saint-Esprit avant moi? J'ai dit, Seigneur, envoie le Saint-Esprit sur moi. J'ai commencé à parler à l'âme. Et je parlais, j'interprétais, je parlais, et je suis allé faire ça toute la nuit. Quand j'entrais dans ma chambre, je parlais à l'âme. Je sors, je parle à l'âme. Est-ce que j'ai fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit? Yes, sir! Et le matin, je suis sorti. J'ai regardé le ciel. J'ai dit un jour, je monterai. Un jour, je monterai. Un jour, je monterai, Seigneur. La pesanteur ne saura pas m'arrêter. Je savais ce qui s'était passé dans Zambé Malam. J'avais reçu le baptême du Saint-Esprit. La troisième fois, on a gêné encore 3 jours. Sans manger ni boire. Ce que nous appelons jeûne à sec. Vous voulez avoir quelque chose de Dieu? Jeûnez. Priez. Bondela. Dieu vous accordera la réponse. Et on était chez Boalungu. La sœur Boalungu est ici, je crois. Si elle est là, qu'elle vienne là, je vais la voir. Et pendant qu'on priait, vers 1h du matin, je ne dormais pas. Je vois une vision. Je vois une banderole qui passait. Où il était écrit, vous avez trouvé. Ça passait vers le ciel. Je ne peux pas l'oublier. J'ai crié. Nous avons trouvé. Je suis tombé par terre.
J'ai roulé. On me bloquait comme ça. Je revenais. J'ai crié. Nous avons trouvé. C'est ce jour même là qu'on a trouvé le frère Mukuna Chipuya Wakazali. C'était une grande expérience du baptême du Saint-Esprit. Acclamez le Seigneur Jésus. Une fois j'étais avec les amis en train de prier en dolo. On avait aussi jeûné. Une voix me dit, mon serviteur Baruti, va dans la chambre. Je dis, qui m'appelle? Et il me dit, c'est moi. Je dis, Seigneur, j'entre dans ma chambre. Arrivé dans ma chambre à coucher, il me dit, je t'avais dit de fermer la porte, ta femme va venir rentrer. J'étais déjà à genoux. Je suis allé fermer la porte. Il dit, je te donnerai quelque chose. À genoux, toi devant moi. Je me suis humilié devant mon Dieu. Il dit, lève tes mains. J'ai levé mes mains. Et il m'a donné trois clés. Et il m'a parlé. Tu es mon serviteur. Tu prêcheras la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es un serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es un prédicateur. Alléluia. Amen. Dieu lui-même m'appelle un prédicateur. Même le diable tremble. Pendant que nous sommes en train de prêcher ici, il n'y a aucun démon ici. Ils sont sortis. Ils tremblent. Moi je dis merci Seigneur. Abi, merci. Alors il dit, Alobi, il arrivera quand tu prêcheras. Et qu'ça les mette tant au côté. Tu prieras. Okobondela. Et les malades seront guéris. Babel Bakobika. Et il me dit, Alobi Nangai, quand les fausses doctrines Tango Malaxalokuta entreront dans ce message. Et Kokota Nakadna Sango Oyo. Quand les fausses doctrines Tango Malakisalokuta entreront dans ce message. Et Kokota Nakadna Sango Oyo. Je te donnerai la force. Nakope Sayo Nguya. Et tu bouteras cela dehors. Okosuku Mango Libanda. C'est une expérience avec Dieu. Et Zali Lobiko Nabikali Nanzambe. Que je ne peux jamais oublier. Oh Nakoki Kobosa Nasoki Mokete. J'étais devenu comme le marbre. Comme ça, loko la boye. C'est ça le marbre. Libanga marbre yangoyo. J'étais devenu de pierre. Nakomi loko libanga. Lui il est parti et je suis resté longtemps comme ça. Ye akei na ye natika kita molaika na kangami bongo. Et l'onction ne m'a pas quitté directement. Et pas que la métika qui n'a pas la bocote. Donc tu étais resté sur moi. Et pas que la métika qui le connaît. Oui, j'ai fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Celui qui croit ça peut recevoir le Saint-Esprit avant que je prie. Oh, Yandimi Ango. A coquille qu'on se monte mon sang, tu vois ce que tu es dans mon délire. Oui. Je crois que vous aussi, vous avez fait le baptême, vous avez fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Oui, je ne peux pas vous négliger. Moi, je vous aime. Je vous encourage à croire l'expérience que vous avez faite. C'est le diable qui ne veut pas que vous puissiez croire à cela. Croyez à cela. Rigini des anges. Le Saint-Esprit était venu sous la forme d'une colonne de feu. Et la colonne de feu était entrée dans l'église. Je vous avais dit, il vient de me traverser. Quand on a pris la photo, la colonne de feu était là. La colonne de feu était là. Comment je savais qu'il venait de me traverser? Amen. Amen. Et il n'était pas venu pour moi seulement. Il était venu pour tous ceux qui étaient dans Rigini. Vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit. Ne négligez jamais ce réveil.
Non. Gloria se réveille là. Bon dimé la kola mukawana. Frère Mbouchou. Deko. Pasteur Mbouchou. Vous avez le Saint-Esprit. Okengeli Mbouchou zana mori mo santu. Oui, croyez à cela. Dima yango. Croyez à cela. Dima yango. Pasteur Ngobo. Okengeli Ngobo. Pasteur Jacques Bondomba. Okengeli Jacques Bondomba. Vous avez le Saint-Esprit. Vous allez na mori mo santu. Oui. Yves. Vous l'avez. Vous allez nango. Pasteur Gauthier. Okengeli Gauthier. Vous avez le Saint-Esprit. Allez na mori mo santu. C'est le pasteur Mutombo. Vous avez le Saint-Esprit. Moi je crois que vous avez le Saint-Esprit. Le diable fera toujours que vous puissiez douter. Ne doutez plus. Soyez connecté. Soyez connecté. Avec le don de Dieu. Et vous verrez la gloire de Dieu. Église. Ecclesia. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Toi, allez na bosenga moli mo santo. Dites à haute voix. Loba na mongongo makasi. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Donne-nous le Saint-Esprit. Donne-nous le Saint-Esprit. Dieu va le faire tout de suite là. Zamba zoko salango sikoyo. Tout de suite. Sika sikoyo. Tout de suite. Sika sikoyo. Frère Banam dit. Ndeko Banam alobi. Donc pourquoi? Prêché en 1963. Ce dont l'église a besoin. Et termine à tout le monde. Ce soir. Alobi obo. C'est une séance de buissons ardents. Oyo Ecclesia Ezali. Na yango bo senga sika oyo. Là où les gens parlent la langue, un homme devrait d'abord arriver à cette terre sacrée avec Dieu, pas les docteurs, pas les théologiens, pas tous les raisonnements là. Un homme devait d'abord atteindre ça pour amener l'église au baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, les lots, le vent est pétueux. Mon pépé est descendu ici et qui dit awa. Je vous félicite. Croyez à cela. Bon dimanche. Vous verrez la gloire de Dieu. Les gens se posent des questions. C'est une question de foi. Est-ce que je vous ai prêché la vérité? Est-ce que n'atei mino solo? Amen. Alors le Saint-Esprit doit venir. Seigneur Jésus, Kolo Yesu, accorde le Saint-Esprit. Pesa moli mo santo. À tous ceux qui ont besoin du Saint-Esprit aujourd'hui. Je veux le voir moi-même. Saint-Esprit descend. Saint-Esprit baptise. Tous ceux qui ont besoin de toi. Qui le reçoivent maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Vous baptisez à mon amour, mon saint. Il vient de me dire. A outi koye misaka isikoyo. Il est en train de baptiser les gens du Saint-Esprit. Et tazali ko baptisa bato na mon amour, mon saint. Il est en train de baptiser les gens du Saint-Esprit. Azali ko baptisa bato na mon amour, mon saint isikoyo. Recevez le Saint-Esprit. Yamba Molimo Santo. Bientôt Jésus va revenir. Molimo Santo à Kozon. Bientôt Jésus va revenir. Yes, Azali Kozon. Pour être enlevé. Bon à connaître la main. Il faut être baptisé du Saint-Esprit. Et Seigneur le baptise à Molimo Santo. Jésus revient bientôt. Yes, Azali Kozon à Sansaipi. Vous devez recevoir le Saint-Esprit. Et Seigneur, voyez à Molimo Santo. Merci Seigneur.
Merci pour l'avoir fait. Je te suis très reconnaissant. Je te suis très reconnaissant. Nazali Kozongi Samatoni Mingé Painayo. Reçois toute la gloire, Seigneur. Yamanke Monyoso Kolo. Reçois toute la gloire. Yamanke Monyoso. Descends dans les cœurs de tes enfants. Kitana Mite Mabana Nayo. Que quelque chose se passe. Et là, comment que ça les mains. Qui n'oublieront jamais. Oh, il va commencer à la tête. Oh, jour s'élevé. Dieu nous a visités. Voici le temps courant. Chantons comme l'agneau. Tu vas prier.